Salut tout le monde. Moi je suis sortie de la tente. Il est 7h du mat. Bon, 10h là-dedans, ça va quoi. Je sors pour profiter. Choupi, il est encore là-dedans. Dans son perchoir. On va se prendre un petit café ici. Je vais tout préparer. On va être bien. Ça y est, nous sommes au complet. Du coup, on s'est servi pour la première fois du gaz. Hier, moi, je voulais me faire des pâtes. Après, Mathieu n'était pas trop rassuré. C'était de nuit, je lui ai dit bon, d'accord. Par contre, ce matin, je me suis dit, vas-y, je vais tester quand même de faire un café. Si ça n'explose pas, la prochaine fois qu'on est dans le camp, je fais des pâtes. Ça n'a pas explosé, je ferai des pâtes. Du coup, pour moi, un petit café. Enfin, soluble, hein, j'avais pris ça. Des Oreos, et Mathieu avec le lait, il avait pris dans un des hôtels, il y avait vous savez, des dosettes de cacao en poudre. Du coup, lui, il a pu se faire son petit cacao. Et regardez ça, les Oreos. Il y a la tête de Batman dessus. Bon, on dirait pas Batman, mais je vous assure que c'est Batman. Ah ouais. C'est quoi ton paquet? Qu'est-ce que t'as encore? C'est pour ça que tu l'as pris? Oui, c'était le Batman exclusive. Mais c'est pas possible. Et c'est recto verso pareil? De l'autre côté, il n'y a rien. Oui, je suis un gamin. Bon, allez, trinc-trinc. Trinc-trinc. Bon, on fait vite parce qu'il y a une voiture. Regardez où nous sommes. Où nous sommes. Où nous sommes. On est dans le désert. Et c'est la première fois qu'on voit autant de monde arrêter. On s'est arrêté, il y avait une voiture qui était en face. On vient de s'arrêter il y a 2 secondes. Ah bah, il y a encore une voiture qui passe. C'est ouf. Ah oh non, c'est pas un touriste, il s'arrête pas. On est d'accord, on s'arrête tous sinon. On s'est pas arrêté là, hein. Mais non, mais parce que t'as tracé. Alors je t'avais dit stop. Ah, c'est ma faute. 1, 2, 3. Bon, c'est officiel. Mathieu n'en peut plus de moi. Il se barre. Non, je rigole. En fait, enfin, je rigole. J'espère. Parce qu'on a vu là qu'il y a comme un marais, j'aurais eu de l'eau, donc je voulais m'arrêter pour prendre en photo et regarder un petit peu. Et il a vu qu'en fait ici il y a une aire, donc il va se mettre là pour pas gêner s'il y avait une voiture qui arrivait, parce que ça se rétrécit, là on était mal mis. Bah ouais, normalement il y a de l'eau. Ah oui, et du coup ici en fait, quand on demande, on habille bien, mais du coup ça fait longtemps qu'il a plu, parce que forcément tout commence à devenir très sec. Il dit ah non, il n'y a pas si longtemps, c'était en décembre, décembre ou janvier, je crois qu'il a dit. Ouais. Pour nous, c'était à longtemps, mais du coup, pour eux. Et donc, tout ça, c'est bah, c'est censé être sous l'eau, quoi. J'avoue, avec de l'eau, ça doit être quand même très très beau. Regardez, il y a 2 secondes, on vous a montré où on était, du coup, avec ce qui aurait dû être une rivière. Et tout autour, c'était des montagnes. Et on a à peu près roulé 10 minutes en pleine montagne, comme si c'était vraiment dans nos montagnes, en virage sans arrêt. Tout d'un coup, on sort. Une plaine. J'ai pas compris. On était dans les montagnes. Ok. C'est vrai qu'ici, on change de décor du tout au tout en un virage, quoi. C'est incroyable, ça on s'en est déjà aperçu. Donc pendant des centaines de kilomètres, ça peut être plus ou moins le même, parce que je trouve ça quand même tous les mètres limite, c'est magnifique. Mais c'est vrai que tout d'un coup, tu tournes et paf, une autre image. Voilà, c'est ce que ça fait quand je me lève tôt. Bah hier du coup, on n'a pas vraiment mangé le soir. Ah ouais, la soupe j'ai prise, mais en fait, j'ai horreur du gaspillage, vous le savez, hein. Mais horreur de ça. J'ai jeté la moitié. Déjà j'en avais trop fait en fait. J'ai pas du tout bien calculé mon truc. Et ma tâche, j'en ai pris que la moitié. Elle était vraiment pas bonne. J'ai
c'est pas... Et pourtant, en général, je me force, hein, parce que je supporte pas jeter. Mais là, c'est pas possible. Du coup, hier, on n'a pas vraiment mangé. Ce matin, bah, on a pris les Oreos. Et là, il est 10h30. Les quoi? Les Oreos. Oreos. Bah, j'ai dit quoi? T'as dit autre chose. Je sais pas ce que t'as dit, mais t'as dit autre chose. Mais j'ai dit les Oreos, non? Non, je crois que t'as dit autre chose. Oh. Du coup, 10h20. Oreo Batman. On est aux chips au fromage. Voilà. J'avais que ça à portée de main. Il y en a marre. On ouvre 60 fois le coffre par jour. Mais si c'est bon, tant pis. J'enlève ça parce que... Voilà. Ça va, Choubi? Très bien. Aujourd'hui, on va vous montrer des petites choses dans la ville où nous allons. Il y en a pour 200 km, donc ils disent 2h30 de route, mais nous, ça va être plutôt 3h30, 4h. On prend notre temps. On n'est pas pressé. Et de toute façon, on n'a pas le droit. On est traqué par la propriétaire de ce véhicule, donc on n'a pas le droit d'aller à plus que 60. On est réellement traqué en plus. Oui, on est réellement traqué. Au moindre petit truc, on reçoit un message. Enfin, elle l'a fait la première fois. Non, c'est vrai. Le premier soir, elle envoie un message. Je crois que j'ai mal répondu parce que je l'ai mal pris. Et du coup, depuis, on n'a plus rien reçu. Non, mais j'avais vraiment l'impression genre de me faire engueuler, que j'avais fait une connerie. Genre on se fait gronder par notre maman, tu vois. On a 12 ans, on se fait gronder par notre maman, quoi. Oh, c'est bon. Parce qu'on a dû faire du 70 au lieu du 60. Après, il dit, vous faites trop de route. Je savais pas que c'était interdit. Après, il dit, vous roulez de nuit. Je dis, bah, je savais pas que c'était interdit. Donc en fait non, c'est juste que la nuit il faut faire attention. Même si c'est 100, faut rouler moins vite. Et si finalement on a le droit de juste de faire des grandes distances. Et dit juste, c'était juste pour nous, pour nous prévenir, pour faire attention à nous, quoi. Parce que voilà, il y a souvent des accidents. Donc voilà. Mais il nous connaît pas, nous sommes des gens consciencieux. Ouais, je suis à plat. Donc laisse nous tranquille. On m'appelle le Hamilton de... Hamilton. Bon, je vous laisse, j'ai faim. On se rejoint au prochain décor. Actuellement, on est dans la région des Mille Collines. Donc sur la route de Walvis Bay. Et pas Walvis, comme on disait tout à l'heure. Sur la voiture. Tu vois, Isa? Tout ce qui est dans la lumière t'appartiendra. Yeah! Mais pas ce qui est dans l'ombre. Non, ça va, je crois que j'ai dit de quoi faire. Vous vous rappelez qu'on vous a quand même filmé des montagnes un peu vertes? Et ben voilà, ça c'est quelques temps après. Le paysage est moins joli ici, Isa? Voilà, j'aime moins. En fait, ça va bien 10 minutes, mais là ça fait 2 heures qu'on voit ça. Là, j'aime un peu moins. Ouais. Surtout qu'il n'y a même plus d'arrêt, il n'y a plus d'arc pour se poser ni rien. Donc ce côté, j'aime beaucoup moins. C'est désert, désert, désert. Ouais. Un caillou, caillou, caillou. Et la route est pas tellement agréable au fait. Non, 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 elle est pas... Non. Elle est pas terrible. Non, ça bouge un peu trop. Bon allez, j'espère que ça ira mieux là-bas. Bon, petite pause au milieu de nulle part. Comme d'hab, j'ai l'impression que je dis tout le temps ça en fait. On pensait qu'on arriverait à la ville pour manger, mais là on a vraiment trop faim. Ouais. Donc voilà, ça termine vraiment en boîte de macro quoi. Macro à l'huile. Alors il y a 28, on est en plein désert. Je pensais que ça cognerait beaucoup plus. Alors il fait chaud, hein, bien évidemment. Mais ça ne brûle pas, c'est pas humide, ça fait pas... Enfin, ça reste agréable, je trouve. Hein. Dès que tu te mets un peu à l'ombre là. À l'ombre, hop, ouais. Face à l'ombre, mais il fait vraiment bon. Mais bonne app, Choubi. Ah, il a peut-être la petite vache qui rit. Isa, elle prend une vache qui rit, moi je prends du macro. Non, tu m'en laisses. Ah moi bon aussi j'ai faim. Oui. Ah, les mouches. Bon, on vient d'arriver à notre 7e étape et donc 7e. Hôtel. On est à Walvis Bay. Je vous en dirai plus un petit peu après quand on sera dehors. On vient d'arriver dans la maison. On est au Lagoon Suite. La maison est juste mais incroyable. Mais incroyable. On dirait une énorme mansion américaine. Donc là, on était accueillis. Et ben, on va prendre le petit cappuccino et des miniardis. C'est adorable. Je vous montre déjà la cuisine. Je pense que ça va en faire rêver plus d'un. Un petit peu derrière. Regardez. La porte d'entrée. Et vous allez voir l'extérieur. Je vous montre après l'extérieur, la chambre et la façade. Alors pour ceux magnifique. Ah. On a demandé un petit peu quel était le prix de l'immobilier ici. Pour cette maison, oui, en tout pour cas. Cette maison à Walvis Bay. Et cette maison vaudrait 1 million d'euros.
Voilà. Maintenant, parce que la première fois qu'elle a été achetée, elle était à 1 300 000. C'est ça. Et la deuxième fois qu'elle a été achetée, par un couple d'Espagnols d'ailleurs, oui. Qui l'ont mis en management, elle a diminué de prix, elle est à 1 million. Et la nuit, ici, avec petit déjeuner compris, encore une fois, au taux où on l'a réservé au moment où ça nous a prélevé sur la carte, 116 euros pour nous deux, petit déjeuner compris. Voilà. Vous allez voir. Incroyable. C'est beau. Bon, en attendant, bon appétit. On va commencer déjà par vous montrer la chambre. Donc, dès qu'on entre... Oula, désolé pour l'éclairage, mais toute une énorme garde-robe. Après frigo, chaise, petit bureau, énorme télé, miroir, des grands sièges, un énorme lit. On passe à la salle de bain. Baignoire. Douche. Attends, tu peux éteindre les lumières de... parce que ça grésille en fait. C'est un... Ah ouais, c'est mieux. Voilà, donc baignoire, douche et encore une douche à la namibienne. Tu rentres à 10 dedans. Double vasque. Un meuble avec du coup les serviettes. Ah, il en a ramené. Oui. Deux autres. Toilette. C'est marrant pour rentrer comme ça. Ensuite, on passe sur les extérieurs. Moi, sur les extérieurs. Madame. Regardez. L'extérieur est magnifique. Et ouais, du coup, ces colonnes, je sais pas pourquoi, ça nous fait vraiment penser une maison vraiment américaine. Par contre, il y a énormément de vent. C'est une ville côtière. Regardez. Je vais même pas tenter. On vous a pas montré quand on était au Mirage. Du coup, l'hôtel à Cesriem sur Suzelay. J'ai voulu aller me baigner. Je suis rentrée jusqu'au genou. Impossible de mettre plus. On voit un petit peu, vous voyez, le style de la maison. Du coup, on a accès à tout ça. On se pose absolument. Choubi, regarde l'énorme barbecue le soir. La cheminée. Et on a aussi accès directement de notre chambre au petit jardin. Enfin, au petit jardin. Vous voyez? Tac. Voilà. Et donc toute cette chambre, et du coup tous ces extérieurs. Attention, c'est pas piscine privée. Hein. S'il y a d'autres locataires, d'autres pensionnaires, ils y ont aussi accès. Hein. Mais donc 116 euros pour tout ça. Et je ne vous ai pas encore vraiment montré. Dès qu'on va sortir là pour l'activité, je vous montre le reste de la chambre. Mais Mathieu, il est parti où? Attends, il s'est caché, qu'est-ce qu'il fait? Moi je me suis dit, attends, c'est vrai, je l'ai parti de la cheminée, il a peut-être pris un photo de la cheminée. Mathieu, il s'était caché. Il s'était caché. On s'était caché, mais pas que 5% de la surface. Tu vois le karma? Tu vois, tu m'insultes. Vas-y, coupe. Non, je couperai pas. Ah si, effectivement, on va couper. Du coup, tout à l'heure, regardez, on était là-bas, salle à manger, il y a la cuisine. Là, le salon, une employée, donc c'est pas à filmer. On retourne sur la piscine parce que la terrasse en fait fait vraiment tout le tour de la maison. Et là, on est dans le hall d'entrée. Regardez-moi cet escalier. Magnifique, mais même regardez la hauteur sous plafond dans le hall. Impressionnant. On y va? Comme ça, je montre l'extérieur. Hop, regardez. Et c'est la première fois qu'on a froid en fait. On s'était posé dans le jardin, on avait froid. Regardez. C'est magnifique. Ah bah vous voyez, hein, Lagoon Suite à Valvis Bay. Alors on dit Valvis parce que on a toujours prononcé Walvis, mais ça se prononce Valvis. Donc on ne fait pas une erreur. Et la mer est juste là. Donc on va aller faire un petit tour. Comme on vous l'a dit, nous sommes... Désolée pour la coupe. Il y a un vent de dingue ici. Du coup, on est arrivé à Valvis Bay. Je reprends mes notes et c'est parti. Alors, c'est une ville qui a été découverte en 1487
Bah, forcément, elle est située sur la côte atlantique, hein, namibienne. Enfin, je dis forcément, mais je vous ai pas encore montré la mer. Enfin, l'océan. Elle a été annexée par les Britanniques en 1878 avant que l'Allemagne n'établisse le protectorat du sud-ouest africain en 1910. Et c'est seulement le 28 février 94 à minuit, 1994, que le drapeau namibien flotte pour la première fois au-dessus de Wolfies Bay. Là, tout de suite, on va vous emmener, et nous aussi on va s'emmener, c'est la Rheinische Mission Church. Pour vous situer, c'était une ville allemande, hein. Ça a été très longtemps allemand, aussi bien celle-là que la prochaine qu'on fera demain. C'est très à connotation allemande. Et donc là, en fait, Rheinische Mission Church, qui est juste à côté de nous, c'est le plus ancien édifice de la ville qui est encore debout. En fait, elle a été préfabriquée à Hambourg, donc en Allemagne. Et elle fut montée de base, pas ici, mais elle était au port en 1880. Elle était consacrée un an avant, un an après. Ouais, c'est dur, un an avant. Donc en 1880, elle a été consacrée. Et en fait, elle a été transférée du port à son emplacement actuel, donc juste là, parce que les machines de la zone portuaire ont proliféré, donc zouzou, hein, faut faire de la place. Et elle a été en fonction, donc elle était en fait un lieu de culte jusqu'en 1966. Donc maintenant, je sais pas, c'est juste un bâtiment. Voilà, on vous emmène. C'est cette église. Et alors, ce qui est trop marrant, c'est que du coup, ceux qui nous ont accueillis aujourd'hui à la maison, donc ce ne sont pas les propriétaires, mais la dame qui nous a accueillis, c'est la manageuse, puis tous les autres employés. Et ben en fait, ils connaissaient pas. Ils savaient pas trop, alors qu'ils vivent là mais depuis toujours en fait. Et ils savaient pas de quoi on parlait quand on voulait aller voir cette église. Pourtant, elle est à 2 minutes de chez eux. Oui, mais quand elle est plus, enfin, on n'en fait plus oui, rien. Oui, bah voilà, je pense que pour eux, c'est un bâtiment en fait. Enfin, c'est vraiment le truc abandonné. Regardez, on a sorti les pulls, la doudoune, enfin c'est du grand n'importe quoi. Regardez le vent. Et sur les routes, on voit le sable. Bah alors là, on voit plus, bah, comme par hasard. Mais plein de fois, en fait, sur les routes, on voyait blindés de sable volé. Quand on passe à côté des travailleurs, on dirait, désolé, hein, mais vraiment, genre des talibans. On voyait genre leurs yeux comme ça, et sous des cagoules noires. En fait, ils sont noirs. Des cagoules avec juste les deux yeux. Bah vraiment pour se protéger du ça, parce que sinon je pense qu'ils en bouffent toute la journée, les pauvres. Allez, on va à la prochaine étape, on va se mettre au chaud dans la voiture. C'est bizarre de dire ça en Namibien, allons nous mettre au chaud. Alors, on est juste devant Hope, une vieille locomotive qui est classée au patrimoine national. Et en fait, elle a été abandonnée après qu'en fait, il y a des monceaux qui s'attassent, enfin, qui est des tas de sable qui se mettent sur les voies ferrées de plus de 10 mètres et qui en fait ont envahi à plusieurs reprises les voies ferrées. Donc, ils l'ont démantelée et pouf, ici en expo. Regardez. Même pas voir ça. Elle est classée au patrimoine national. Je crois qu'ils en ont rien à foutre. Mais c'est pour la protéger. Peut-être qu'on sait ouvrir. Oh, ça fait peur. Oh, j'aime pas les trucs comme ça. Et du coup, vous voyez, c'est peut-être ce drapeau-là qui a flotté pour la première fois. Mais ça, j'en suis pas sûre. Hein. Mais voilà. Voilà, voilà. Ah bah si, voilà, regardez. Regardez. Mettez stop. Et puis vous pouvez lire. Isa, si tu vois ce morceau de vidéo, sache que tu m'emmerdes. On vient de longer la ville pour arriver à la lagune. La lagune fait 45 000 hectares et elle a la particularité d'attirer les plus gros groupes de flamants roses au monde et de toutes sortes d'oiseaux aquatiques côtiers. Donc on va vous montrer ça parce qu'on vient juste d'arriver à la lagune et on voit déjà des flamants roses. Quoi ? Voilà, là nous sommes arrivés à la lagune qui fait 45 000 hectares. Elle a la particularité d'abriter des flamants roses, des flamants nains, mais également d'autres oiseaux côtiers. Et on va vous montrer ça tout de suite. T'es sûr qu'ici c'était les flamants roses? Ah oui, alors attends, et particularité, les flamants roses sont blancs, rose pâle, et les flamants nains sont roses, voire un peu plus. Ça veut dire quelque chose, voire un peu plus? Voire un peu plus. Je suis désolée, là on vous a zoomé au maximum. Alors, ils sont tous là, mais je vois pas ce que ça peut rendre en fait là en GoPro. J'espère que vous verrez bien. Parce qu'il y en a des centaines et des centaines. Oh, le vent. Regardez le temps là. Ah, j'ai ultra froid. J'ai une boule de compète. Oh,
l'importance de ces marais-là, c'est qu'il y a 90% du sel de l'Afrique du Sud qui sort d'ici. Là, on aurait pu ramener un tupperware. Regardez les montagnes de sel. Ah oui, là, là, il déverse le sel. Disait tout à l'heure, encore un changement de décor en Namibie, c'est ouf quoi. Il y a une heure, on était en plein désert. Allez, regardez, sel, route, océan. Oula, fais attention parce qu'on est très proche de l'océan là quand même. Il n'y a pas de marée là, ça monte pas? Moi j'aime pas ça. Hein. On rentre, dépêche-toi. Je trouve ça bizarre ça. Je trouve ça très bizarre. Il n'y a pas grand chose qui nous sépare de l'océan là sur la route. J'avoue. C'est ouais. Juste là. Hein. Ben ouais. Je fais une petite incarta, je suis dans la flotte. Ben ouais. Enfin, je vous filme ici, regardez. Ah ouais, j'aime pas du tout. Il y a genre, ils ont fait une petite montagne de sable avec les mains. Vous savez comment on fait des pâtés de sable et ça suffit? Elle a un peu plus apparemment. Ouh là là. Non, j'aime pas, je te jure, je suis pas rassurée. Attends, s'ils font ça, c'est que ça monte pas. Ah, peut-être que les gens ici savent qu'à cette heure-ci, il faut pas aller. Non, mais il n'y avait pas marqué d'horaire. Non, mais on nous aurait dit quelque chose. Oh mon dieu. T'es beaucoup trop proche. Eh, au pire, on laisse la voiture ou on va dans le sel. Hein. Tu dis que s'il y a du sel, c'est-à-dire que l'eau, elle va jusque-là. Hein. Non, mais on a le temps, tu vois, le temps qu'elle arrive. On court, on court, on court. Ils vont venir nous aider. Help! On fait demi-tour parce que. Ouais, on le sent pas. Non, ça pue vraiment. De toute façon, demain on fait une activité. Normalement, on repasse par ici. Donc, on vous montrera ça. Ça marchait quand même avec tous les animaux. On va voir cela. Regardez bien. Hein. Flaminga! Coucou! Il y en a un qui a regardé, vous avez vu? Non, moi non plus. Regardez derrière! Toute la lignée qu'il y a! Oh là 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 là! Et là-bas, là-bas, là-bas! Oh la vache! C'est marrant comment ça marche. On dirait toi avec des talons. Tu rigoles. Est-ce que vous pouvez partager s'il vous plaît? Moi aussi j'ai faim. Please. Mais c'est pour ça que j'en veux. J'aime tellement les crevettes. Flaminga, flamingo, flamingus, venez. Rapportez les shrimps. On s'est dirigé vers le port en fait où demain on va démarrer notre activité et il y a beaucoup de restaurants. J'espère que vous m'entendez parce qu'il y a encore énormément de vent. Donc je vous montre vite et après on va se mettre à l'abri. Ouais. Voilà. Et ben nous on va manger ici. On va se poser ici. Santé. Santé. Du coup là on est au resto bord d'océan. Et on va vous montrer ce qu'on a commandé. Mais je suis ultra jalouse du cocktail du Fili. Mais même derrière, il y a des verres qui arrivent. Oh là 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 là, ils ont des beaux cocktails. Vas-y, dis-y les mots. Il est beau, il est fort. Ah. Il est bon. Regardez la vue qu'on va avoir. Magnifique. Et on commence par des huîtres de Walt Disney. J'en ai ras-le-bol. Mathieu, l'autre fois, j'avais pris des huîtres. À l'eau des Ritz, je lui avais dit elles sont trop bonnes, mais il osait pas en prendre parce qu'il avait peur d'être malade. Mais d'accord. Et là, du coup, il y a quand même encore plein d'huîtres. C'est la spécialité ici, les huîtres. Donc, j'en prends. J'ai dit t'es sûr que cette fois tu veux pas goûter? Il dit bon, ok, j'en prends qu'une seule. J'ai dit ok, bah du coup, j'en commande 4. 3 pour moi, une pour lui. Il en a déjà goûté une. Il dit ah, ça va, elle est bonne. Il est pas en train de m'en prendre une là, moi? Tu mangeras pas tout. Hein? Non, je... Ça t'es quand même pas gêné en ma parole. Celle-là tu la touches pas, tu t'en recommandes hein, sinon. Il m'énerve, mais il m'énerve. Non. Non, je rigole pas là-bas. Mais alors elles sont comment? Ouais. Voilà.
Voilà, voilà, voilà. Au sommet, il y a mes huîtres, en tout cas, elles sont bonnes. Ah bien sûr, allez. On vous montre la suite. Les huîtres, du coup, étaient très bonnes, hein, Mathieu pourra te confirmer. Oui, elles étaient bonnes. Et du coup, mon plat, moi j'ai pris du calamar frit, des moules avec une sauce sûrement citron herbe, des prawns. Alors, je sais pas pourquoi prawns, j'étais persuadée que c'était soit des coques, des praires ou des amandes, mais en fait c'est des crevettes. Donc je suis trop contente parce qu'en plus elle m'a demandé mais vous avez pas des shrimps? Elle a dit non, mais en fait du coup j'en ai. On a pris ça avec des frites. Et Mathieu a pris des ribs, mais cuits ici sur le feu avec une sauce maison. Voilà, on va se régaler et ça sent délicieusement bon. J'espère que vous nous entendez parce qu'il y a énormément de vent. On vient de sortir du restaurant. Pour tout ce que vous avez vu, donc Mathieu il avait, on a eu 4 huîtres, un cocktail, 500 ml de bière, 4 huîtres, je crois que je l'ai dit, 500 g de ribs avec des frites, et moi j'avais 200 g de calamar, j'avais 8 moules, j'avais 4 crevettes et des frites, tout ça pour 36 euros. Ça va ? Punaise, là j'étais choquée. Donc voilà, et c'était délicieux, vraiment. Prenez-en de la graine en Europe. Ouais. Et du coup là on attend. On va peut-être pas attendre tout le coucher de soleil. Juste deux minutes parce que il fait froid. Moi j'en étais sûr. J'ai vu une famille Rikiki. Ça changera pas grand chose. Dizaines de millions. Ah oui, bah oui, et en plus, ça se trouve, on entendra rien avec le vent, on entendra. Tu vois, on va voir ta bouche bouger, mais sans son. Mais regardez le vent, c'est oufissime. On espère que ça. Attends, belle soleil. On espère que cette journée vous aura plu. Vas-y, et on se retrouve demain pour une nouvelle journée et on va faire une activité ultra chouette, donc ne loupez pas. Et nous on vous laisse sur ce coucher du soleil. Bisous. Ciao.